Le couple s'est blotti l'un contre l'autre tout en prenant des poses lors des séances photo. Harrison Ford et les stars du film étaient vêtus d'un costume bleu marine, d'une chemise bleu clair et d'une cravate bleu marine pour l'événement. Ces femmes portaient une robe verte au satin et un manteau d'eau. Elle et son mari se sont tenus les pieds face à face à Harrison Ford et Calista Flockhart lors de les projections du film Indiana Jones et le Seigneur à droite de les destinées festival du film de Taormina le 25 juin 2023 et de Taormina en Italie. Sur Facebook, Daily Mail capture d'écran d'un commentaire sur l'apparition de Harrison Ford et Calista Flockhart lors de les projections du film Indiana Jones et le cadre de les destinées le 25 juin 2023 et de Taormina en Italie. Sur Facebook, Daily Mail, dans l'un des commentaires, il est dit que l'actrice Harrison Ford apporte le glamour à l'événement. Sur Facebook, Daily Mail capture d'écran d'un commentaire sur l'apparition de Harrison Ford et Calista Flockhart lors de les projections du film Indiana Jones et le cadre de les destinées. Le 25 juin 2023 est à Taormina en Italie. Sur Facebook, Daily Mail, une autre personne avouait qu'elle n'avait jamais imaginé que le mariage du couple durerait, mais celui-ci éprouvait le contraire. Sur Facebook, Daily Mail, une autre personne a indiqué que l'actrice aurait 80 ans quand son mari en aurait 102, tandis que quelqu'un d'autre déclare que c'est comme une relation père-fille. Une hype d'amour dans ce cas. Changer tes couches ne peut plaire une chose d'amour. Si Harrison Ford et Calista Flockhart lors de les projections du film Indiana Jones et le cadre de les destinées, festival du film de Taormina, le 25 juin 2023 et Taormina en Italie. Sur Fedetti Images, un utilisateur de Facebook a demandé si Flockhart était la petite fille de Ford et un autre a trouvé leur différence d'âge intéressante. Malgré les critiques et les jugements, le couple qui est une histoire d'amour touchante est toujours aussi fort comme Calista rencontrer l'homme de sa vie de 2002. Harrison Ford a rencontré ses futurs femmes lors de la 59e édition de Golden Globe Award. À l'époque, il avait 62 ans de plus que l'actrice. Ils ont commencé à se fréquenter peu après qu'il ait fallu des années avant qu'ils ne le demandent un mariage en 2009, lors de vacances aux familles. L'année suivante, ils se sont mariés. Calista Flockhart et Harrison Ford à l'after party des Movie Line à Hollywood à voir le 4 mai 2003. Sur Getty Images, avant leur rencontre, Ford était marié deux fois et avait 4 enfants. Lorsqu'ils rencontraient Flockhart, elle venait d'adopter son fils Liette au 2001, et il est adopté par la suite lors d'une interview au 2003. L'acteur de la franchise Indiana Jones déclare qu'il était amoureux de l'actrice. Il pensait que les relations romantiques étaient les formes d'amour les plus épanouissantes et les plus excitantes qui pouvaient survenir à n'importe quel moment de la vie. Sur Getty Images, comme tout autre couple, Ford et Flockhart ont connu des moments difficiles. Heureusement pour l'acteur, sa femme lui restait dévouée quoi qu'il arrive, même lorsqu'il eut un accident d'avion. Elle est restée à ses côtés. Le soutien affectueux de Calista à son mari Ford avoue en 1998 que son lieu de prédilection était le ciel. L'acteur expliquait comment il trouvait la satisfaction dans l'apprentissage d'une nouvelle compétence plus que le frisson du vol lui-même. Même s'il n'était pas sûr de pouvoir encore apprendre des choses à Harrison Ford et Calista. Flockhart aux Oscars le 2 mars 2014 Hollywood, Californie. Sur Getty Images, le star révèle qu'il aimait les responsabilités liées à l'aviation, les endroits qu'il allait, les paysages qu'il voyait et les gens qu'il rencontrait. Ford a déclaré qu'il se sentait à l'aise, libre et engagé lorsqu'il prenait l'avion. Flockhart est arrivé peu après son mari d'urgence. Avec un air préoccupé, il fait remarquer que l'aviation avait pris une place importante dans sa vie. Getty Images, août 1999, l'acteur de Star Wars expliquait comment il s'était profondément identifié à sa carrière d'acteur. Ce femme s'est adressé aux médias pour exprimer son soutien total à ses patients, déclare qu'il aime ça. Donc j'aime ça, je le soutiens à 100%. La star d'AIMC Bill révélait qu'elle ne pilotait pas, mais qu'elle était une passagère consentante. Elle n'est peu non plus inquiète que son mari pratique ce loisir, même après que Ford ait été victime d'un accident d'avion à Santa Monica, en Californie en 2015. Sur Getty Images, dans le passé, Ford révèle que l'actrice de Super Girl aimait Volt, qu'il était ravi car c'était un passe-temps essentiel pour lui. Il expliquait que l'aviation était l'une des activités les plus amusantes lorsqu'elle était pratiquée avec quelqu'un qu'il appréciait également. Flockhart admet qu'elle aime Volt et Liam aussi. Ce qu'elle voit du ciel, elle aime aussi voir son mari heureux.
Il est admis dans un hôpital local où il s'est remis de ses blessures avec sa femme Constamol. Ses côtés Flocard est arrivé peu après son mari urgence avec un air pressé.